à cette rubrique « Dis-moi, apôtre ». Julie de Paris nous demande comment faire la différence entre les péchés. Sa question exacte est celle-ci. Est-ce qu'il y a une différence entre les péchés? Écoutez-moi, tout péché porte atteinte à notre relation avec Dieu. Donc, tous les péchés portent atteinte à notre relation avec Dieu. Mais par contre, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences dans la vie présente et dans la vie future. Sachez qu'il y a des péchés qui vont engendrer d'énormes conséquences dans la vie de tous les jours, ok? Des conséquences graves dans nos relations, des conséquences graves dans nos entreprises. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention. Même lorsque Dieu vous pardonne, parfois pour réparer le mal que vous avez fait, ça peut prendre énormément de temps et ça peut compliquer beaucoup de choses. Sachez aussi que dans le monde futur, il y a des péchés qui vont hypothéquer notre rang dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux et pendant le millénium. Notamment les péchés de l'âme en rapport avec la haine, en rapport avec le non-pardon, en rapport avec l'orgueil, en rapport avec la compétition, l'égoïsme. Ce sont des péchés qui vont sérieusement hypothéquer notre rang dans le monde futur. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention à tous les péchés. Le péché corrompt notre relation avec Dieu. Nous devons vivre alors dans la sainteté. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire juste en bas du player. Et à la prochaine rubrique « Dis-moi, apôtre », nous y répondrons. À bientôt.